Puis on a aussi voulu faire une démarche de, qu'on a appelée gentiment RSE sans le savoir, en hommage à l'émission Enceinte sans le savoir à Canal Vie. J'adore ça! Il y a environ quoi, 2 ou 3 semaines, en septembre, en tout cas, on a fait une activité avec l'ensemble de l'équipe de direction, donc environ 30 personnes. Puis on a voulu faire une recension de ce qu'on fait chez Logico sans le savoir en termes de développement durable ou de RSE. Puis c'est là que les discussions ont émergé, que ça fait longtemps qu'on en fait, qu'il y a déjà eu des discussions de faire des bâtiments LEED en 2012. Donc, tu sais, c'est là où j'ai comme plus pris le pouls qu'il y a quelque chose qui était émergent dans l'entreprise. Il y avait un désir d'aller vers là depuis quand même presque une dizaine d'années, mais pour différentes raisons. Le timing, le manque de ressources pour bâtir une démarche structurée a fait que le dossier n'a jamais vraiment émergé. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Cette semaine, on reçoit Annick Paradis qui est directrice de l'expérience employée chez Logisco. Si vous êtes actif dans LinkedIn, peut-être que vous la suivez déjà. Annick, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est impact social, aux entreprises qui sont progressistes. Donc, j'avais envie justement qu'elle vienne nous parler de ça et de son expérience chez Logisco, qui aussi est en train de faire une démarche reliée à son impact social, justement. Juste avant qu'on entende, en fait, les échanges que j'ai eus avec Annick, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le son n'est pas optimal. C'est sûr qu'on essaye là, à chaque émission d'avoir le son qui est le meilleur, mais celui-ci a été enregistré au début du reconfinement. Donc, merci d'être indulgent. J'avais pas tout à fait maîtrisé encore les outils d'enregistrement à distance. Je veux aussi en profiter pour remercier Joël qui écoute à chaque semaine puis qui m'a dit qu'il attendait avec impatience son meeting du vendredi. Joël, ça me touche beaucoup. Merci de nous écouter. Puis aussi un petit merci spécial à Lynn qui souvent repartage l'épisode dans LinkedIn en incluant aussi des petits commentaires spécifiques sur son appréciation. Donc ça, c'est des choses évidemment qui nous touchent beaucoup. C'est le dernier épisode de la saison régulière parce qu'on approche le temps des fêtes. C'est certain que c'est un petit peu tôt dans la saison, mais c'est parce que la semaine prochaine, on vous a concocté un épisode spécial avec un invité qui, lui aussi, est spécial. Donc, je vous en dis pas plus, mais on va déroger de la formule régulière. Et j'en profite pour vous dire justement qu'on est en train, en ce moment, de faire le calendrier d'enregistrement pour la prochaine saison. On a déjà certains épisodes qui sont enregistrés. Mais il est encore temps de nous donner vos suggestions de noms d'invités. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on adresse, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire en privé sur LinkedIn. On prend en note et on va lancer des invitations en fonction de vos intérêts. Comme petit cadeau de Noël, si ça vous tente de nous donner 5 étoiles, c'est toujours quelque chose qui est apprécié. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien qu'on a déjà mis dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on va parler maintenant de Logisco et de leur expérience en tant qu'entreprise qui réfléchit à la responsabilité sociale avec Annick Paradis, qui est directrice de l'expérience employée. Bonne écoute! Annick, on s'est rencontrés par LinkedIn. Oui. Justement, on en parlait avant de partir l'enregistrement. Les deux, on est très actives sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. On s'intéresse à beaucoup de choses, on partage beaucoup de contenu. Puis à un moment donné, tu n'étais pas encore dans mon réseau, je pense, puis tu as partagé un post sur la réflexion sur la transition sociale ou la responsabilité sociale des entreprises. Puis c'est un peu comme ça, je t'ai écrit parce que moi aussi, j'étais curieuse puis je m'intéressais à ce sujet-là. C'est comme ça. C'était déjà cet été ou même au printemps? Non, je pense que ça devait être à peu près fin juin, début juillet. OK. Et j'avais pas le temps avant ça de me préoccuper vraiment de la responsabilité sociale et environnementale, mais c'est un dossier que j'ai depuis que je suis arrivée chez Logisco. Mais effectivement, on s'est rencontrés virtuellement quand j'ai fait une publication où j'étais à la recherche de gens qui pouvaient m'aider à améliorer ma connaissance de tout ce qui était la RSE ou le développement durable. Puis là, évidemment, j'ai un super réseau, les gens sont super sympathiques, puis ils se sont mis à mettre leur nom d'amis en dessous de ma publication. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Sarah. Oui, effectivement. Puis ça a été une super belle conversation. Il y avait Sophie Pinchot, d'ailleurs, dans ton équipe qu'on salue, qui était là. Puis on s'est mis à échanger un peu sur
c'est comment on voyait ça, puis c'est, qu'est-ce que ça veut dire, la responsabilité sociale, puis c'est quoi un peu le rôle des RH. Je me suis dit, écoute, on pourra parler de ça dans un podcast parce que vous faites plein de choses vraiment intéressantes. Juste avant qu'on rentre un peu dans concrètement dans le vif du sujet, j'ai envie qu'on parle un peu de toi puis de ton background, puis après on pourra parler aussi de Logisco parce que je suis pas sûre que tout le monde vous connaît nécessairement, fait que je pense que ça vaut la peine de présenter l'entreprise. Toi, tu es là présentement, tu es directrice expérience employée chez Logisco. Merci. Mais tu as un background assez riche là, où tu as fait du développement organisationnel, entre autres à la Ville de Québec. Tu as été consultante aussi pendant quelques années là, chez Alia Conseil. Encore une fois, tu as toujours tourné autour du développement organisationnel, tout ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de troquer un peu tes baskets puis de d'embarquer dans un rôle de directrice expérience employée? C'est une bonne question. Comme tu l'as dit, moi, j'ai commencé ma carrière à la Ville de Québec comme conseillère en développement organisationnel. C'était dans le temps, ça n'existe plus, mais c'était au service de la SPDO, service de la planification et du développement organisationnel. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière en DO. J'avais même pas fini ma maîtrise. J'ai un bac j'ai un bac en sciences du langage. Donc, moi, depuis que je suis à la maîtrise, mon essai de stage, mes travaux de maîtrise, je les ai faits à la Ville de Québec, qui était mon employeur. J'avais un poste temporaire à l'époque. Et que j'ai baigné dans le DO un peu comme Obélix dans sa potion magique. Moi, je ne connais que le DO, je ne connais que des approches de gestion participative. Puis peut-être que pour des gens de l'externe, la Ville de Québec, ça ne sonne pas beaucoup gestion participative, mais c'est vraiment de se tromper. Il y a du lead management là-dedans, il y a de l'agilité, il y a surtout de la gestion participative, fait que c'est vraiment trippant. Puis au fil des années, ben, j'ai vraiment, avec Alia Conseil dans tout ça, développé plein d'approches, de pratiques. Fait que j'ai vraiment eu envie de m'impliquer encore plus en développement organisationnel. Puis il arrive à un stade où des fois, dans une ville, les projets de développement organisationnel, ben, c'est peut-être moins ce qui est prioritaire. C'est plutôt le tramway ou d'autres projets de développement structurant. Donc, les énergies sont moins... En fait, sont surtout, d'un point de vue employé, sur des projets externes que sur des projets internes. Fait que c'est là où tu commences à être dans une phase au travail où c'est un peu moins stimulant. Tu crèmes des projets de DO, j'ai plein d'idées, je vois l'impact que ça pourrait avoir, mais je n'ai pas l'occasion cette année de pouvoir le faire. Puis ça commençait à m'amener dans une zone, sans dire dépressée, mais je trouvais le temps un peu plus long. Puis quand on m'a contacté l'année passée, dans le fond, à l'été 2019, pour me parler qu'il y a un poste qui allait s'ouvrir, directrice expérience employée, marque employeur, puis tout ça, ça me tenterait-tu? Mais c'est là que ma réflexion s'est activée. Je me suis dit, crime, ça fait 15 ans que je fais du DO. Je suis tout le temps bloquée parce qu'il y a un agenda politique ou parce qu'il y a un directeur que ça n'étende pas de faire ça ou qui ne connaît pas ça. Et je me suis dit, crime, j'ai jamais vraiment voulu être directrice, mais là, je pourrais avoir la chance dans une super belle entreprise, une moyenne entreprise, donc trop petit, je n'aurais pas aimé ça, trop gros non plus, mais une belle entreprise de super belle taille où j'aurais de la place pour faire des projets de DO, d'amener ma couleur, d'être dans l'innovation qui est ma couleur principale. Bien, c'est vraiment ça qui m'a fait faire le saut. Puis aussi, je pense qu'il faut le mentionner, une des propriétaires de l'entreprise, qui est Mme Caroline Parent, était ma collègue chez Alia Conseil. Ah. Moi, Caro et moi, on a travaillé ensemble 2 ans sur les 3 où moi j'ai été là. Elle est rentrée après moi, elle a quitté avant moi. Et on a été collègues ensemble, on faisait nos mandats ensemble. Donc, quand elle m'a approchée en me parlant du poste, je savais que les mots expérience et employé seraient vécus, que c'était pas juste des mots creux. Puis en même temps, je savais comment elle travaillait. Je sais que notre relation professionnelle était super. Fait que ça m'a aussi, disons, ça a catalysé ma réflexion dans tout ça. Puis, j'ai quand même pris 2 mois à lui répondre. Ah oui? De rien, c'est un gros changement professionnel. Tu sais, fonds de pension, Ville de Québec, poste permanent, pas de pression parce que tu n'es pas cadre. Et ça a été une grosse discussion. Je suis partie en vacances avec mon conjoint. Puis au retour à l'aéroport, j'ai écrit à Caroline, « OK, j'applique, j'essaye. » Parce que moi, quand j'essaie, c'est all-in, mais des fois, ça peut me prendre du temps à prendre une décision comme ça. Mais tu vois, jusqu'à maintenant, ça va faire 1 an, le 15 octobre, que je suis là, puis à chaque jour, je me dis à quel point je suis chanceuse d'avoir été contactée, d'avoir eu le poste. C'était un bonheur de tout instant de pouvoir amener ma griffe personnelle, puis d'avoir amené une équipe dans tout ça aussi pour les faire triper dans
oui, dans l'expérience Logisco, mais aussi comme expérience employée dans mon département. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est une continuité, puis c'est une façon pour moi d'avoir plus d'impact dans un rôle de gestion que dans un rôle de conseil. C'est super intéressant. Puis tu dis déjà, tu nommes dans le fond que tu savais que ce ne serait pas des mots creux, puis que ce serait vécu parce que tu avais confiance dans ton ancienne collègue, mais aussi, j'imagine, peut-être l'occasion de nous parler un peu de Logisco. Tu sais, j'imagine que tu as senti justement que c'était une organisation qui avait des belles valeurs. Tu sais, tu m'as parlé la première fois qu'on s'est rencontrés par Internet, à quel point il y avait, tu sais, c'était une entreprise familiale, qu'on le sentait, que les gens étaient là pour les bonnes raisons, que c'était des belles personnes dans l'organisation. Tu veux peut-être nous parler un peu de c'est quoi Logisco, qu'est-ce que vous faites, puis un peu justement là, comment ça se passe au point de vue organisationnel ou valeurs et culture d'entreprise? Oui, bien en fait, quand j'ai fait l'entrevue, moi, j'avais aucune idée de ça. Logisco, tout ce que je savais, c'était que c'était l'entreprise du père de Caroline et de son frère qui était le président. Donc, moi, c'était quand même un chèque en blanc que je signais à Caroline, mais en même temps en confiance. Mais maintenant, ce que je découvre, c'est que ça doit être la meilleure entreprise de l'univers. Rien de moins. De moins, mais je ne veux pas trop exagérer, là, mais quand même, moi, j'estime que je suis extrêmement privilégiée d'être dans une entreprise à taille humaine, même si c'est gros, même si c'est 323 employés répartis en 5 lignes d'affaires. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas Logisco, là, c'est la 15e plus grosse PME du Québec. Puis, il y a des hôtels, il y a des résidences pour personnes âgées. On a une équipe avec un entrepreneur général. Donc, on construit ce qu'on loue, finalement. Puis, on a aussi tout le volet corpo. Donc, hôtel, résidence, équipe de construction, corpo, ah oui, l'équipe de conciergerie et de maintenance de nos immeubles. Donc, on a un modèle d'affaires qui est particulier, peut-être même unique au Québec. On est complètement intégré verticalement. Donc, comme je disais, on construit, on loue nos appartements, nos espaces commerciaux. On les entretient également. Donc, on est un gestionnaire immobilier de tout ce qu'on fait. Puis si nous, on veut croître, bien, c'est facile, on a juste à construire. Donc, les hôtels, c'est nous qui les construisons, nos résidences, on les construit, et etc. Puis cet été, vous avez aussi fait une grosse acquisition, si je ne me trompe pas, d'appartements résidentiels. Puis ça a été quand même un gros projet là, qui a augmenté votre parc immobilier aussi. Fait que vous êtes vraiment en croissance en ce moment-là. Oui, on est en croissance. En fait, l'entreprise, je pense, est en croissance depuis sa fondation il y a 52 ans. Wow! Ça, c'est super le fun. Pour ceux qui sont à Québec ou qui ont étudié à l'Université Laval ou au Cégep de Sainte-Foy, Logisco a acquis le parc immobilier derrière le Cégep de Sainte-Foy. Donc, c'est très, très gros. Là. C'est 500 appartements qui sont là qu'on a acquis. Donc, c'est super. Donc, c'est une famille qui a vendu à une autre famille. Donc, c'est une belle histoire entre familles aussi. Donc, c'est cool. Puis... En fait, ce qui est le fun dans l'histoire de Logisco, moi, ce qui me plaît à chaque fois, puis c'est ce qu'on présente aussi à nos nouveaux employés, quand on n'oublie pas de montrer la vidéo à l'accueil d'intégration, mais c'est que l'histoire, là, c'est l'histoire de M. Roger Parent, qui a voulu offrir du confort à sa famille, donc a bâti lui-même son premier petit bloc multirésidentiel il y a fort longtemps, pour avoir sa famille sous un toit puis avoir des revenus de location autour. Donc, à l'époque, c'était assez innovateur, même à l'époque, de construire du multirésidentiel comme ça. Puis un jour, il a vendu cet immeuble-là pour en construire un autre, puis un autre, puis un autre. Puis un jour, son fils Michel a joint l'entreprise. Donc, Michel Parent, qui est actuellement notre président, est devenu le premier employé de l'entreprise. Puis par la suite, elle a continué à croître jusqu'à temps que Caroline Parent quitte le conseil pour aller rejoindre son frère à la direction de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une histoire. En fait, Logisco a pris naissance par amour, finalement. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup de tout ça. Puis on le ressent dans l'entreprise. Monsieur Parent, notre fondateur, qui se promène dans les bureaux, qui nous salue, qui permet de garder d'être groundé, justement, sur la pourquoi Logisco est né, finalement. Puis c'est super, c'est très familial. Tu sais, Michel, quand il venait à ma deuxième entrevue, puis c'était après 3 secondes, c'était interdit de l'appeler Monsieur le Président. Là. C'était Michel. Il me posait des questions sur ma famille. On pourrait penser que c'était des questions discriminatoires pendant l'entrevue, mais ça l'était. Pour moi, je n'ai jamais senti que c'était discriminatoire. Là. Tu sentais qu'il voulait apprendre à connaître lui-même. Il m'a posé, c'est parle-moi de ta famille. Mm. C'était ça. Là. Fait que c'est, tu vois que la valeur familiale, c'est pas juste. C'est senti, c'est vécu. Ça m'amène à te demander,
sais, c'est pas nécessairement le sujet de l'épisode, mais je me suis toujours demandé ça, tu sais, quand on entend parler justement des entreprises familiales, puis à quel point la famille est importante, tu sais, c'est sûr que la première réaction, c'est « Ah, wow! » Tu sais, c'est le fun de sentir que les gens sont proches, puis que c'est des entreprises qui restent à dimension humaine. Puis je me demande toujours un peu, est-ce qu'il y a pas un peu l'autre côté de la médaille où tu as l'impression que si tu fais pas partie de la famille, t'es moins important? Comment c'est vécu en ce moment, ça, chez Logico? En fait, ce que tu veux dire, quand on était consultante, on vivait dans des entreprises... On accompagnait des fois des entreprises familiales, puis effectivement, il y avait souvent de la chicane au sein du comité de direction, puis tout ça. Mais chez Logico, c'est pas du tout comme ça. Le fondateur s'est retiré de la gestion d'entreprise. Michel, qui est le président, Caro, qui est la vice-présidente, mais il n'y a pas d'autres frères et sœurs dans l'entreprise. Donc, tout le reste du comité de direction n'est pas membre de la famille, puis il n'y a pas de... Moi, je pourrais dire ça. Il n'y en a pas de chicane de famille, fait qu'on ne le sent pas. Puis à chaque fois qu'on fait une communication ou que Michel parle, qu'il fait une vidéo, il s'adresse toujours à la grande famille Logico. Donc, même dans son choix de mots, il traite tout le monde comme un membre de sa famille. Fait que ça, c'est super. Notre page Facebook, ça s'appelle la page Facebook La Grande Famille Logico. Il y a vraiment quelque chose qui est ressenti. Donc, il n'y a pas de chicane. Je dirais que le défi d'une culture familiale, c'est de la garder quand on croit. Avec les hôtels, les résidences, l'équipe qui est sur les chantiers, c'est pas évident d'avoir ce lien familial-là très, très près. Donc, ce qu'on demande au minimum, c'est que chaque responsable de famille, si on veut, s'assure de faire vivre une proximité, d'être accessible, d'être bienveillant, de soutenir les membres de son équipe. Mais notre défi, c'est quand même d'amener une culture commune dans toute l'entreprise. Donc, ça, c'est un défi de tous les instants. Mais pour répondre à ta question, contrairement à d'autres entreprises, il n'y a rien de tout ça là, chez Logisco. C'est ce qui fait que c'est aussi palpitant. C'est au comité de direction auquel je siège. Quand j'amène une idée, je n'ai pas besoin de regarder Michel ou Caroline. Là, je m'adresse à l'équipe de direction. Tout le monde a son mot à dire. Tout le monde est important. Tout ça pour dire que c'est ça. C'est vraiment le fun. On a carte blanche. Puis comme dit Michel, il nous appelle ses amis au comité de direction. Là. Ses amis? Il nous appelle ses amis, il est content, il est en train de préparer une activité spéciale cet automne, puis là, on n'aura peut-être pas lieu parce qu'on est rendu zone orange, mais tu sais, il y a vraiment un cœur qu'on soit une famille, même dans l'équipe de direction. L'année passée, la retraite stratégique, c'était à son chalet. Tu sais, il y a vraiment quelque chose dans tout ça qui fait qu'il ne veut pas qu'on sente en dehors des liens familiaux, même si on ne s'appelle pas Annick Parent, là. Oui, ben c'est ça, j'imagine. Fait que si c'est quelque chose auquel il porte attention, c'est sûr que j'imagine que c'est plus, ça fait en sorte que justement les autres personnes peuvent se sentir incluses dans cette famille-là. Puis tu l'as nommé, ce que je trouve le fun un peu, c'est souvent quand on veut, puis on va tomber un peu dans le cœur du sujet, on va parler un peu de c'est quoi une entreprise progressiste, tout ça. Reste que tout ça s'appuie sur des valeurs puis un fondement. Tu as parlé de bienveillance. Donc, tu sais, essentiellement, tout revient un peu à ça, aux relations entre humains puis à la bienveillance. Donc, c'est sûr que je comprends tout à fait. Là, c'est clair comment une entreprise qui est plus familiale a peut-être des bonnes assises pour partir. Tu as nommé aussi que, selon toi, l'entreprise est un peu partie par amour. Tu sais, je trouve ça super beau. Si on tombe un peu maintenant dans le vif du sujet, là, dans le crunchy, on va parler, comme on vient de le dire, là, d'entreprise progressiste. J'ai envie de te demander, pour toi, c'est quoi une entreprise progressiste? Parce qu'on a tous un peu notre définition de ce que c'est. Et toi, de la tienne, ce serait quoi? Oh. Ben, c'est une entreprise qui se réinvente continuellement, qui expérimente, qui essaie des nouvelles choses, qui a envie de se dépasser constamment, qui est ouverte sur le monde, qui regarde ce que le voisin fait, ça a-tu fonctionné parfait? Comment je peux m'en inspirer pour faire ma propre recette secrète? Pour moi, c'est ça, c'est de regarder, d'être aligné également sur les besoins des gens qui viennent contribuer dans des entreprises. Moi, comme humaine, j'ai envie d'être autonome, d'avoir des responsabilités, de me dépasser. C'est peut-être pas tout le monde qui est comme moi, mais j'essaie de me dire qu'une entreprise progressiste doit permettre à ces gens-là de pouvoir se dépasser. C'est aussi une entreprise qui est inclusive. Mm-hmm. Qui comprend aussi qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas ce désir-là d'épanouissement au travail parce qu'ils vont l'avoir ailleurs, puis qui ont certaines limitations, mais comment on peut les aider, comment on peut les inclure. Donc, pour moi, le volet progressiste, il n'est pas uniquement sur les approches de design thinking ou d'agilité, mais il est aussi comment on reste toujours aligné sur la planète qui est en mouvement, sur les changements dans les besoins des humains qui nous entourent. Ouais, ben c'est intéressant, puis tu sais, je pense que ça regroupe l'essentiel des thèmes que moi aussi, tu sais, j'entends, puis je te dirais que j'ai une vision qui est très similaire à la tienne. Tu sais, l'idée essentiellement, c'est de créer de la valeur
aussi un peu pour l'ensemble des parties prenantes. Fait que tu l'as nommé là, pour les gens qui viennent travailler chez nous, pour les gens pour qui on fait des projets, pour la société comme telle. Donc, c'est un peu ça le but. Fait que tout part un peu des valeurs, puis de s'assurer que ce qu'on fait, ça sert, puis que ça a un impact positif sur les gens. On n'est pas juste dans la création de profit. On réfléchit aussi un peu au rôle, disons, de l'entreprise dans la société, puis au rôle de l'entreprise comme employeur, tout ça. Fait que, tu sais, avant de tomber un peu dans l'aspect un peu plus people ou intégration, tu sais, des employés dans cette démarche-là, j'ai envie de te demander, à ta connaissance chez Logisco, comment c'est arrivé que vous avez commencé à un peu vous poser des questions sur c'est quoi la responsabilité sociale de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut avoir un meilleur impact, comment on peut justement être dans un mindset d'entreprise progressiste, par où c'est parti ça? Il y a plusieurs réponses à cette question-là. Si je te donne ma réponse de petite nouvelle dans l'entreprise, je vais te dire en riant qu'à mon premier comité de direction, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on n'avait pas de bac de recyclage. C'est nono, mais c'est comme ça que la discussion a commencé de mon point de vue à moi, ce qui n'est pas le point de vue des membres de mon équipe. Je t'expliquerai après les autres perspectives. Mais c'est quand même lors de ce comité de direction où Michel m'a dit, ben, écoute, si ça t'intéresse, le volet environnemental, RSE, développement durable, ben, vas-y. Dis-moi, ce que tu veux qu'on fasse, propose une démarche, puis on va te suivre. Fait qu'en novembre 2019, c'est comme ça que l'aventure pour moi a démarré dans le volet RSE / développement durable. Puis après ça, ben ça s'est mis un peu sur la glace, le temps d'avancer d'autres dossiers, le temps que la pandémie arrive, qu'on fasse nos mises à pied temporaires, que les gens reviennent. Disons que ce thème-là a été mis un peu dans la mijoteuse. Puis, dernièrement, en fait, l'été qui vient de se terminer, on a décidé de relancer le dossier. Donc, de faire un petit veille, c'est quoi la RSE, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis, on a aussi voulu faire une démarche qu'on a appelée gentiment RSE sans le savoir, en hommage à l'émission Enceinte sans le savoir à Canal Vie. J'adore ça! Il y a environ pas 2 ou 3 semaines, en septembre, en tout cas, on a fait une activité avec l'ensemble de l'équipe de direction, donc environ 30 personnes, puis on a voulu faire une recension de ce qu'on fait chez Logisco sans le savoir en termes de développement durable ou de RSE. Puis c'est là que les discussions ont émergé, que ça fait longtemps qu'on en fait, qu'il y a déjà eu des discussions de faire des bâtiments LEED en 2012. Donc, tu sais, c'est là où j'ai plus pris le pouls qu'il y a quelque chose qui était émergent dans l'entreprise. Il y avait un désir d'aller vers là depuis quand même presque une dizaine d'années, mais pour différentes raisons. Le timing, le manque de ressources pour bâtir une démarche structurée, a fait que le dossier n'a jamais vraiment émergé de la surface. Puis là, ben, avec mon arrivée, avec le fait que je l'ai pris en charge, qu'il y a un responsable qui prenne le temps d'y réfléchir, ben, ça a, je pense, accéléré la démarche. Mais si tu poses la question à Caroline, qui est ma directrice, elle va dire que ça fait longtemps qu'il en parle dans l'entreprise. Puis c'est ça, dans le fond, il y a juste eu un effet catalyseur quand je suis arrivée. Et dans le fond, c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est « OK, là, on se structure, puis on le fait concrètement, puis on se pose vraiment des questions autour de ça. » Puis bon, j'imagine qu'il y a des initiatives plus tard qui découleront. Là. La première étape, c'est de faire l'état un peu de ce que vous faites déjà, mais reste que le terrain était fertile, puis que c'est pas arrivé du jour au lendemain, un peu de n'importe où. Il y avait déjà, comme tu dis, certaines choses. Je serais curieuse, est-ce que vous l'avez déjà fait, cette démarche-là, un peu de recenser ce que vous faisiez sans le savoir. Là, tu m'as parlé des bâtiments LEED, par exemple. Y avait-tu d'autres choses, disons, qui viennent en tête? Ça, dans le fond, on a fait notre bilan de RSE sans le savoir en septembre. Au début septembre, c'était pas longtemps. Il est sorti plein de choses, au moins 100 d'initiatives en développement durable. Donc, c'était vraiment super intéressant. Ah. Puis, tu sais, par exemple, Michel, c'est le co-président d'honneur de la campagne de Leucan à Québec cette année. Là, c'est un peu reporté à l'automne, mais il devait être la tête d'affiche de tout ça pour la campagne de financement avec un des vice-présidents de Desjardins. Donc, il y a quand même une implication dans la communauté. Avec Leucan, on donne également plein de commandites à la Maison du littoral qui donne des soins, je ne veux pas dire n'importe quoi, je vais dire palliatifs. Donc, on s'implique dans toutes sortes de causes sociales, mais de façon assez importante. Donc, Michel aussi redonne à la communauté d'affaires en étant un des mentors à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Donc, ça aussi, c'est super. Le volant, dans nos résidences pour personnes âgées, on a plusieurs employés qui ont des besoins spécialisés qu'on accompagne. Donc, on est très inclusif là-dedans aussi. Ça paraît que j'avais animé la table sociale. Oui, mais c'est justement, tu sais, l'aspect, tu as nommé des trucs en aspect, côté environnemental, mais
Tu sais, ce qui me surprend, puis souvent quand on parle de démarche de responsabilité sociale, tout de suite on pense au côté environnemental, mais le côté social, souvent on l'oublie. Fait que je trouve ça intéressant que tu nommes plein de choses dans cet aspect-là, tu sais, sur un peu, c'est quoi le rôle de l'entreprise, tu sais, comme citoyen, en fait, là, comme citoyen corporatif. On fait plus de choses dans le volet social que dans le volet environnemental. On fait des belles choses aussi en environnement, là, parce qu'on y croit fondamentalement. Tu sais, on vient de tourner tous nos produits en produits bio pour l'entretien de nos immeubles, de nos hôtels. Donc, tu sais, on fait un mouvement vers les produits plus écologiques. Mais dans le volet social, c'est vraiment dans les valeurs de l'entreprise. Je ne sais pas si tu le sais, mais la fondation Roger et Elisabeth Parent. Donc, Roger Parent étant notre fondateur et Mme Elisabeth Parent étant sa femme. Donc, ils ont fait une fondation. Puis c'est une fondation qui est pour les aînés. Puis la mission, c'est de comment ils l'ont formulé, la mission? Je pense que c'est mettre un sourire dans le visage des aînés. Tu sais, c'est une mission aussi belle que c'est. Puis, même si on a des résidents chez Logisco, la fondation s'adresse à tous les aînés de la région. Ah, donc, wow. Même nos fondateurs, en quittant la présidence de Logisco, ont fondé une fondation. Donc, il y a une implication réelle depuis le début. C'est vraiment dans la culture de l'entreprise de s'impliquer. Puis, tu vois, un autre exemple, ce n'est pas encore annoncé publiquement. J'espère que je ne suis pas en train de brûler. Mais si ça peut te consoler, on enregistre un peu d'avance, fait que tu as un buffer. Ça me donne un peu de temps. Mais notre fondateur, M. Roger Parent, vient de recevoir une médaille de citoyen d'honneur de la ville de Lévis. Ah, wow! La cinquième année que c'est donné, donc c'est le cinquième récipiendaire, mais il y a eu Monique Leroux de Desjardins qui l'a reçu. Il y a Maurice Tanguay du groupe Maurice Tanguay. Donc, on voit le genre de noms qui sortent comme récipiendaire de la médaille d'honneur. Puis, ce qu'on a su, c'est que le jury, c'est à l'unanimité qu'ils ont nominé M. Roger Parent. Ah, wow! Mais ça, c'est sûr que ça... Une implication sociale de longue date dans la communauté. Puis, tu vois, dans les initiatives qu'on fait en développement durable, c'est drôle, hein, Michel, justement, durant l'été, il a été approché par Desjardins. Desjardins, ici à Lévis, le siège social, il démarre une cohorte en développement durable qui me finance en partie. Puis, ils ont demandé, c'est très sélect, ils ont choisi 6 entreprises pour se joindre à eux dans la première cohorte de développement durable à Lévis. Puis, ils ont approché Michel pour être sur cette cohorte-là. Finalement, c'est moi qui y vais. Il m'a fait une part sur la palette. Je suis très contente. Mais ça montre aussi que Logisco est reconnu comme un leader dans sa communauté par Desjardins, par les autres entreprises qui sont sur ce groupe-là. Donc, c'est vraiment pour moi une fierté d'être dans une entreprise qui porte le flambeau bien haut. Oui, puis tu sais, ça démontre que c'est pas quelque chose qui s'invente, comme on disait tantôt, du jour au lendemain. Il faut que ça soit senti, il faut que ce soit réel, il faut que ce soit appuyé sur un réel désir. C'est pour dire dans ton rapport annuel que tu as fait 3 initiatives de développement durable. Ça, moi, ça m'intéresse pas. Puis d'un autre côté, tu vois, ça m'amène une question, puis je sais pas ce que tu répondras à ça. Puis je me dis, tu sais, là, clairement, le terrain était très fertile, puis pas que c'est facile, là, c'est toujours difficile de faire les choses autrement, puis de se questionner, puis de changer nos comportements, mais reste qu'il y avait déjà, un bon fond, disons, chez Logisco. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour commencer à penser à faire ce genre de démarche-là de RSE? Est-ce qu'il faut déjà, disons, que les fondateurs soient impliqués socialement? Est-ce que tu penses que la première étape, c'est de conscientiser les gens? Comment tu le vois? Une question. Moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire une recette de gâteau. Il y a des recettes que c'est bien quand déjà dans la culture, c'est là que les fondateurs, l'équipe de direction amènent ces valeurs-là. Tu sais, quand le haut de la pyramide, pour parler en termes d'organigramme triangle, quand le sommet d'un triangle normal embarque, c'est très facile d'amener une démarche dans l'entreprise. Quand il n'y a rien du tout en haut, que c'est pas senti, qu'on veut rien savoir, qu'on est orienté juste profit, c'est pas mal plus difficile, même si nous, employés, on a envie de faire des démarches. On peut, des fois, si on est chanceux, faire des initiatives locales, dépendamment de l'entreprise, des fois même pas parce qu'on n'a pas la bande passante en termes de temps ou d'énergie pour les faire. Donc, je dirais que c'est beaucoup plus facile quand le terreau est fertile à la direction. Ou bien si on a la chance d'avoir un projet stratégique qui campe là-dedans, mais... T'sais, même si la direction n'était pas impliquée depuis 52 ans dans tout ça, le fait qu'il y ait une ouverture puis un intérêt, c'est suffisant. Puis t'sais, le but, c'est pas de faire la démarche Cadillac puis d'avoir la certification B Corp. Nous, c'est pas pour une certification qu'on fait. T'sais, si dans 10 ans, on se rend compte que c'est possible, mais tant mieux. Mais pour moi, ça m'intéresse
pas, même je te dirais, j'ai même pas envie de remplir de la paperasse puis de me faire suivre par quelqu'un. J'ai juste envie que comme entreprise, on soit fiers de ce qu'on fait, que la gang nous propose des initiatives en développement durable. Tu vois, une de nos personnes qu'on fait, c'est qu'on amène le thème du développement durable comme axe principal de notre planif stratégique cette année. Donc, on a une invitée qui va venir nous en parler durant, maintenant nous en parler, mais elle va nous animer un atelier de 2 heures pour qu'on voit chez Logisco comment on intègre le développement durable dans notre stratégie d'affaires. Puis sûrement qu'une des orientations qui va en découler, si je regarde ma boule de cristal puis mon agenda caché, bien, j'aimerais ça que dans notre planif stratégique en 2021, qu'il y ait une orientation qui dise quelque chose comme faire un concours interdépartemental ou je ne sais pas quoi, mais tu sais, qu'il y ait une initiative en développement durable de chaque département, puis qu'on se fasse une petite page web cachée, là, parce qu'on n'a pas d'intranet, là, mais qui montre chaque initiative de chaque département, puis que ça vienne de tout le monde. Fait qu'il y a déjà la direction qui est super impliquée, emballée, qui met de l'argent là-dedans, puis c'est super. Mais j'aimerais ça que les employés, ben, moi, puis moi, je me considère aussi comme une employée, qu'on puisse avoir des idées, les soumettre, puis les faire. Oui, puis ça revient un peu à ton background, tu sais, justement, au municipal, où tu parlais beaucoup de projets de gestion participative, puis tout ça. Fait que, dans le fond, ce que je comprends dans ta vision, il faut que ça passe par ça aussi. Fait qu'il faut que le terrain soit fertile à la direction, mais rapidement, il faut impliquer les gens dans l'ensemble de l'organisation. Puis, tu sais, c'est dans vos habitudes déjà, puis juste dans la façon que même toi, tu gères ton équipe en ce moment, j'ai envie de t'entendre un peu parler là-dessus avant qu'on revienne à la démarche de réflexion à RSA, parce que je trouve que ça s'intègre vraiment, puis ça démontre un peu comment on peut mettre en place des façons de travailler qui vont permettre là, d'avoir des résultats qui ont les valeurs un peu qui sont connexes. La part un peu de responsabilité sociale ou d'impact social ou de cette démarche-là, en fait, que vous êtes en train, là, je comprends que vous êtes au début de ça. Comment, selon toi, ça s'intègre un peu justement dans l'expérience employée? Est-ce que tu as l'impression que les gens ont un appétit pour ça? Est-ce que c'est des questions ou des besoins que vous entendiez là, de la part des employés ou c'est plutôt l'inverse? Au jour 1 que je suis rentrée dans l'entreprise, on m'a abordée sur le recyclage. Donc, il n'y a pas juste moi qui l'avais remarqué, il y avait d'autres collègues qui l'avaient remarqué. On m'a interpellée sur pourquoi on ne recycle pas la peinture, sur les matériaux de construction. Donc, j'ai commencé à avoir plusieurs petits cues dans les corridors quand je me promenais. Puis même dans mon ancienne équipe, au début, quand je suis arrivée, c'était aussi un sujet de discussion. Puis l'entreprise au corpo est assez jeune quand même, là, je dirais en bas de 35 ans peut-être. Et que c'est quand même relativement jeune. Puis on a tous des jeunes familles, des enfants qui compostent. Donc ça pousse vraiment l'entreprise à se dépasser pour incarner ce qu'on est à la maison au travail. Moi, je veux qu'on puisse être soi-même au bureau. Fait que ça venait vraiment au début de la base. On a poussé ça. Puis la démarche au début, justement, dans le plan stratégique, il y a 3 grands axes. Puis là, on change ça, justement. Mais il y avait l'axe de croissance, il y a l'axe expérience employée et l'axe virage numérique. Puis dans l'axe expérience employée, bien, j'avais mis, moi, 5 orientations, dont la RSE. Puis cette année, on sort la RSE de l'axe expérience employée, puis on la met en un axe à part entière. Donc ça, c'est un premier move où on sort ça, justement, de mon département. C'est quand même moi qui pilote la démarche, mais je ne voulais pas que ça reste en dessous de quelque chose d'autre, là, que ça devienne un axe en lui-même, un statement qu'on fait, on va vers le développement durable, la RSE, puis que ça soit vraiment plus visible que c'est l'expérience employée qui s'en occupe. T'sais, je voulais surtout pas que ça fasse ça. Fait que là, ben, t'as vu, on a commencé à faire une recension des écrits, des rencontres. On a fait RSE sans le savoir en septembre. Après ça, moi, je joins la communauté de développement durable de Desjardins. Ça commence là, à la mi-octobre. À la retraite stratégique qu'on a au mois de novembre, on a un atelier de 2 heures pour déterminer notre vision et nos orientations vers le développement durable. Donc, on l'intègre même à notre gouvernance. Donc, pour nous, c'est ça qu'on fait actuellement. On est, comme tu dis, au balbutiement, mais ça va bon train. Puis les gens dans les autres fonctions, parce que là, tu dis au début, c'était comme une initiative dans ton équipe, puis là, c'est devenu vraiment une initiative à l'échelle de l'organisation, ce qui fait en sorte que tout le monde devient un peu imputable de cette démarche-là, puis une partie prenante. Ça a été reçu comment quand vous avez pris cette décision-là? Est-ce que tu sentais que les gens étaient contents de ça? Est-ce qu'il y avait des craintes? Ils ne savent pas encore, Sarah, parce que dans le fond, c'est moi qui ai poussé pour en faire un thème à part entière. C'était accepté sans aucun problème. Ça a comme été, ben oui, on va faire ça. Puis là, ben, la retraite stratégique, c'est le 17-18 novembre. Puis on présente le plan stratégique en février habituellement. Donc, les gens ne savent pas vraiment, mais il n'y aura pas de...
il n'y aura pas de « wow » de quoi que ce soit. Je pense que les gens n'accordent pas une si grosse importance que ça un plan stratégique, malheureusement, mais c'est la vie. Fait que moi, tout ce que je peux m'attendre comme réaction, c'est « hey, c'est cool, il y a enfin un sujet qui nous implique, puis on peut penser à proposer des initiatives en développement durable. » Moi, je m'attends plus à ça comme réaction, parce que les quelques fois où j'en ai parlé dans des publications à l'interne de RSE ou de développement durable, ça l'a suscité dans la boîte courriel expérience employée, des suggestions des employés. Ah, wow! Que là, on transférait à l'équipe de gestion, puis là, l'équipe de gestion répondait à leur employé en disant « Hey, c'est beau, comment qu'on peut faire ça? As-tu des idées? Connais-tu ça? » Fait que ça, on voit qu'il y a un intérêt. Fait que moi, j'ai l'impression, là, dès qu'on va propulser ça, puis qu'on va rendre ça, rendre des pâquerettes, comme dirait ma grand-mère, là, de terrain, puis que ça va être facile, les gens vont embarquer. Je pense que tout le monde a des bonnes idées. Puis c'est drôle, on a un bulletin interne qui s'appelle « Autour de l'îlot » qu'on diffuse à chaque vendredi. Puis au début, ça s'appelait juste l'info RH, après ça, l'info EE, quand je suis arrivée. Puis quand est arrivée la COVID, c'est devenu de 3 lignes à 5 pages, notre bulletin. Ah ouais, hein? Il faut s'adapter, avoir des moyens pour rejoindre. Puis on a lancé un concours pour trouver le nom. Puis il y a eu plusieurs noms qui tournaient autour de l'écologie puis de l'environnement. Donc, il y a vraiment un intérêt, là, je dirais, verdoyant, donc pour le côté environnemental, mais je suis sûre que dès qu'on va expliquer le volet plus social, économique, que les gens vont avoir des idées aussi. Je pense qu'il faut simplement vulgariser c'est quoi le développement durable pour que les gens puissent être en mesure de s'approprier tout ça puis de proposer des idées. Clairement. Puis écoute, j'ai envie de te dire tout de suite, quand vous serez rendu plus loin, puis tu sais, si tu as envie de revenir nous en parler sur comment ça a été reçu, puis qu'est-ce que ça a donné concrètement, cette démarche-là, je pense que ça pourrait être vraiment le fun d'avoir. Là, on a comme un peu le début puis le avant, ou en tout cas la mise en place de la démarche. Mais après, tu sais, dans quelques mois ou un an, on verra selon ce qui est possible de votre côté puis tout ça. Mais si tu as le goût de revenir nous parler un peu de comment ça a été, moi, je serais bien contente de te recevoir. Puis je suis très curieuse aussi, parce que c'est quand même innovant comme démarche. Puis c'est pas toutes les organisations qui sont rendues là. Fait que vous allez probablement être un peu des pionniers puis des cas d'entreprise intéressants à suivre dans les prochains mois, certainement. Ce que je trouve le fun, Sarah, c'est que dans mon équipe, là, ils sont très au fait qu'on va vers là. Puis c'est... comment je peux dire ça? Tu sais, j'ai Sonia qui est au recrutement, là, puis elle, quand elle a vu ça, quand on s'est rencontrés là, après l'entrevue, puis au début à son accueil, tu sais, qu'on va vers la RSE, elle tripait, elle disait « Ah ouais, inclusion sociale, OK, des profils atypiques, comment j'aide les gens? » Tu sais, chez Sonia, c'est déjà en elle, fait que, tu sais, ça va être un beau vecteur pour amener même la RSE dans mon propre département. Après ça, j'ai Sophie que tu as rencontrée, Sophie Pinchot, qui triple là-dessus aussi, qui est en train de revoir la politique vestimentaire actuellement avec une autre Sophie. Il y a trop de Sophie dans l'entreprise. Puis justement, les filles me rencontraient hier en présentant là où ils étaient rendus. Je disais, hey, qu'est-ce qu'on fait avec les manteaux usagés? On fait-tu un... Tu sais, quand les manteaux se brisent puis que ce ne soit pas dû pour être remplacé par un neuf, est-ce qu'on peut prendre se faire un genre de marché de manteaux usagés au lieu de les jeter? Je dis, ben oui. Fait que c'est une bonne idée. La contamination commence à se produire. C'est vraiment super le fun. Tu vois que le... C'est vraiment pas juste être un citoyen corporatif puis faire des dons, tu sais, ou décontaminer des terrains. C'est un point de vue employé, c'est vraiment applicable facilement. Les gens ont plein d'idées. Il faut juste, comme je disais, vulgariser c'est quoi. Puis tout à coup, il faut, on en fait déjà. Puis t'as raison que souvent, quand on entend les mots citoyen corporatif, ça sonne rapport de développement durable, puis on va comme éponger les dégâts qu'on a faits comme entreprise, puis on va patcher les affaires. Mais c'est pas ça, ouais. Les entreprises sont une partie de la société, puis quand dans l'entreprise, les humains qui y travaillent peuvent contribuer aux communautés qui accueillent l'entreprise, c'est là que ça devient intéressant, puis où on voit des maillages, disons, avec, par exemple, le secteur communautaire puis le milieu corporatif. Fait que je suis d'accord avec toi que c'est peut-être à revoir un peu ce qu'on entend par citoyen corporatif. Je pense qu'il faut se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Tout à fait. Tu sais, quand on est en train de revoir toutes nos échelles de rémunération, tu sais, avant, il y en avait une pour le corpo, il n'y avait pas encore été faite pour nos résidences et les hôtels, parce que c'est une démarche qui est récente de l'année passée, là, avant mon arrivée. Mais juste de faire ça, cette démarche de rémunération-là, de s'assurer que tous les postes soient cotés, soient dans une échelle salariale, ce soit équitable, je trouve ça vraiment super le fun. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées qui le font aussi religieusement que nous. Il y a plein de choses qu'on fait et qu'on s'en rend pas compte. C'est relié au développement durable, mais l'équité interne, ça naît du développement durable, c'est de la RSE.
complètement, puis là, tu tombes dans un sujet qui m'allume, puis je vais faire attention pour qu'on s'égare pas, mais on peut avoir autant des réflexions en profondeur que regarder des petits éléments, puis avoir des quick wins dans nos pratiques RH ou dans, tu sais, à plein de volets dans l'organisation. Je te parlais de recyclage tantôt, bien, ça, c'est un des mini-aspects, mais quand on met toutes ces choses-là ensemble, puis toutes les expertises des gens dans les diverses fonctions ensemble, c'est là que ça devient intéressant puis que l'impact peut être immense là, tu sais, par rapport à pas se poser la question du tout là. Si on prend plus d'un point de vue construction chez nous, on est vraiment dans on couvre tout le cycle de vie d'un humain. Tu sais, on a autant ton premier logement que le penthouse dans notre projet Oslo. On a également le projet L'Amalgame qui est à la tête des ponts avec une super belle vue sur le fleuve. C'est familial. Il y a une terrasse sur le toit. Il y a des jeux d'eau. C'est vraiment pour les familles. Les grands-parents peuvent être au-dessus pendant que la famille est au rez-de-chaussée ou vice-versa. Donc, on pense vraiment même nos types d'habitation en fonction des cycles de vie des familles. C'est vraiment super. Puis, il y a un projet top secret que je peux pas dire, mais qui va vous, un jour, quand il va sortir, vous montrer à quel point on est inclusif. Dans ce qu'on fait, mais je trouve ça fun que ça soit déjà là par les gens qui analysent le marché chez nous. Bien, écoute, je sens que ça brûle les lèvres, fait que je vais pas trop te talonner là-dessus. On pourra s'en reparler quand tu reviendras. Mais moi, ça fait déjà quand même un moment qu'on enregistre tout ça. J'ai envie de te poser peut-être une dernière question qui est peut-être un peu plus personnelle. Clairement, tes valeurs en tant que directrice expérience employée sont claires, puis tout ça, puis j'ai envie de te demander, toi, chez vous, dans ta tête, ou dans ton cœur plutôt, est-ce que tu as comme une espèce de mission personnelle dans ton métier? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, ah, ça, là, tu sais, si j'ai réussi à accomplir ça dans ma carrière, je vais être heureuse? Ma mère, depuis que je suis jeune, là, qu'elle me voit avocate ou en relation industrielle, puis là, je dis non. Mais ma mère, elle a toujours vu cette fibre en moi qui est de sauver le monde. Puis, tu vois, je pense qu'un point commun que je vois dans tous les emplois que j'ai occupés jusqu'à maintenant, dès qu'il y a une source d'iniquité, tu vas me voir sortir les griffes, rugir, je vais devenir une lionne. Donc, pour moi, le monde du travail doit être sain, doit être trippant. Il ne doit pas avoir personne qui a envie d'abuser des uns des autres. Donc, pour moi, ma mission personnelle dans le monde du travail, c'est vraiment de m'assurer que c'est un endroit qui est sain, qui est trippant, puis que ça peut être une deuxième famille. Puis ça va, je pense que tu es sur ton X. En tout cas, clairement, tu as la possibilité de travailler à ça dans le cadre de tes fonctions actuelles. Puis en terminant, le Jusco, on l'a dit là, tout au long de l'épisode, c'est une entreprise qui vaut la peine de suivre. Les gens dans ton équipe aussi, là, moi je vous suis sur LinkedIn, pas toutes, là, mais entre autres, je suis Sonia Sansfaçon, puis Sophie Pinchot, dont on a parlé au cours de l'épisode, puis toi, bien évidemment. Fait que j'ai envie d'inviter les gens à vous suivre sur LinkedIn, à suivre le Jusco, à regarder un peu ce que vous faites. J'imagine que vous allez communiquer un peu autour de cette démarche-là. Complètement pas, parce qu'on est en train de tout discuter de notre stratégie de communication, autant externe qu'interne. Puis dans les rencontres, justement, on regardait c'était quoi nos cibles de communication vers l'externe, à part le volet, le logement, appartement, là, le volet plate. Là. Moi, je parle du volet le fun, parler de la vie dans l'organisation, mais on veut aussi, si tu vois, se positionner comme entreprise progressiste. Donc, dans ce qu'on va publier comme contenu, mais on veut parler de notre réalité à nous, comment on a ajusté des choses dans l'entreprise, comment on prend un concept innovateur puis qu'on l'intègre chez nous. Donc, on est vraiment au stade de se faire un genre de structure de communication puis de calendrier de publication, mais de plus en plus pour les gens de la communauté EE ou RH, ça va devenir intéressant de suivre le Jusco. Actuellement, on ferait plusieurs publications par mois, mais disons une plus sur le type expert de contenu, là. Avec une application réelle. Là, ça veut dire qu'il va falloir que je me mette ça à mon agenda. Mais c'est ce qu'on me demande jusqu'à maintenant. Là, ma gang, c'est ce qu'ils me proposent comme idée de plan de com. Ouais, puis je peux travailler encore. Puis pour de vrai, pour connaître ça un petit peu, je pense que ça fait plein de sens. Je pense qu'il y a déjà tout ce qu'il faut en place dans l'ADN, je dirais, là, de ton équipe, puis clairement de l'organisation. Fait que ça va être très intéressant. En tout cas, moi, je sais que je vais continuer à vous suivre. Puis pour les auditeurs, je vais mettre aussi là, les liens vers ton profil LinkedIn, puis vers la page là, de Logisco aussi. Équipe, là, il y a aussi Louise Bouvier, Geneviève Fauché qui vient juste d'accoucher d'une belle petite fille. Puis on a également Marie-Claude Pagé-Poulin. Ça, juste comme ça, si ça vous tente de suivre toute mon équipe. Bien, moi, je vais m'assurer de les rajouter si c'est pas déjà fait. Mon réseau commence à être gros, fait que peut-être qu'on s'est juste jamais parler puis qu'on est déjà connecté, mais je vais porter une attention particulière puis j'invite les gens à faire de même.
Annick Paradis, merci énormément d'avoir pris le temps dans ton horaire chargé de venir nous parler un peu de ce que vous faites dans ton équipe et dans ton entreprise. C'était vraiment enrichissant, puis j'ai envie de te dire à la prochaine. Merci beaucoup, puis ça va faire 10 $ C'est parfait, je t'envoie un chèque. C'est bon, chèque. Bonne fin de journée, merci. Salut, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça fait plaisir, bye bye.